Aujourd'hui, l'école communale de Lens est venue chez Anne pour découvrir la fabrication du chocolat. Nous avons le label Chitaslo et donc nous faisons tout pour mettre en valeur les producteurs, les artisans de notre commune. Et donc on n'hésite pas à réaliser beaucoup d'événements pour les mettre en avant ainsi que leurs produits. C'est vraiment de mettre en avant les producteurs via des activités avec les écoles pour que, bah, après, quand ils rentrent chez eux, ils puissent discuter avec leurs parents et dire « Aujourd'hui, j'ai été déguster du chocolat chez Anne. » Et donc, prochaine fois, au lieu d'aller chercher des pralines dans d'autres communes, dans d'autres villes, ils viendront chercher des pralines chez Anne. Aujourd'hui, on a fait un petit atelier avec les enfants de l'entité ici à Lens. Et je pense que c'est très important que les jeunes puissent voir comment on travaille, qu'ils voient cette passion, que ça se reflète dans le goût aussi, qu'ils apprennent à apprendre les goûts qu'on ne retrouve pas dans des produits d'industrie. Donc on a fait des petits bâtonnets de chocolat chaud, mis du chocolat à température. Donc on a versé le chocolat sur la table et ils ont pu le tempérer. Donc ils en foutent partout, c'est toujours gai à voir ça. Et ils peuvent une fois se lécher les doigts et puis laver les mains. Donc ils trouvent ça super chouette à faire. Et pour moi c'est gai aussi de les voir comme ça. On a fait des pralines et elles ont l'air très bonnes. C'était super chouette. L'avantage d'être un producteur d'une commune Chitaslo, c'est que la commune organise pas mal d'activités où notre savoir-faire est mis en valeur. Et on voit aussi que les gens, les voisins et tout ça, ils sont fiers de leurs producteurs et ça nous motive encore plus de faire de notre mieux et de continuer notre passion, même dans des périodes un peu plus difficiles.